Bonjour, ça va? Oui. Ça va très bien. J'ai la voix un peu cassée, mais là je parle un peu mieux. Il y a quelques jours, j'étais complètement à fond, mais là je commence à retrouver ma voix. Eh bien, justement, on s'appelle ça, j'ai entendu le mot. Justement, on pour que tu aies parlé, parce que j'ai commencé à parler. Bon, alors voilà. Peux-tu nous dire en gros comment est-ce que vous représentez le Le Scopussi représente la Ligue martiniquaise des sports d'entreprise. Nous sommes une antenne de la Fédération française des sports d'entreprise, donc nous sommes affiliés. Donc nous organisons le sport d'entreprise qui vise à favoriser au sein des entreprises de la cohésion par le biais du sport. Donc nous avons diverses manifestations sur toute l'année selon le calendrier qui est mis à disposition des personnes qui passent ici. Donc voilà. Et puis nous avons aussi un moment fort, c'est-à-dire le 5 novembre, on va organiser des jeux anti-Guyane. Donc ce sont les entreprises de la Martinique, de la Guyane, de la Guadeloupe qui vont se retrouver pour se challenger. Et puis nous avons aussi quelque chose qui va se préparer de phénoménal aussi, c'est-à-dire que pour 2024, la Martinique, en Martinique, seront organisés les jeux nationaux. Donc à ce titre, comme en 2019, il y aura plus de 2500 participants qui vont arriver sur leur sol martiniquais pour participer à plus de 34 disciplines. Et pour cela, comme on essaye de voir, pour impliquer aussi les handicapés, parce que c'est vrai, au sein des entreprises, la part des handicapés reste relativement faible ici en Martinique. Donc nous allons au devant de cela, les recruter et recenser de manière à ce qu'ils participent aussi à ce moment festif. D'avoir pensé à nous, les personnes qui ont un handicap. Jusque-là, il y a pas mal d'activités avec les personnes en situation de handicap. Parce qu'il y a le vélo de il y a pas mal d'activités. Il y a des choses qui sont très utiles pour nous. C'est normal, vous savez pas, j'ai tout là, nous essayons de prendre en compte toutes les couches de la population sans laisser de côté qui que ce soit au sein de l'entreprise. Donc maintenant, on va faire la démarche auprès des entreprises pour qu'ils puissent recenser ces personnes-là, pour les inscrire et de permettre de participer aux activités que nous mettons en place pour les jeux. Bien sûr, il y a des publics qui passent à la télévision sur les antennes, donc nous faisons de la promotion. Il y a aussi, nous avons aussi mis à disposition un bus, qui est le bus mobile, qui sillonne les villes, notamment c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui aussi, parce que nous avons le bus qui fait la promotion, qui fait la publicité pour toutes ces activités au sein de la LMS, la Ligue martiniquaise de sport d'entreprise. Vous connaissez la radio Anti-FM Martinique? Comment? Est-ce que vous connaissez la radio Anti-FM Martinique? Anti-FM, non, pas beaucoup. Non, mais c'est une radio qui fonctionne comme ça. Mais ça va, c'est que là aussi, c'est que ça donne les personnes. D'accord. Ah ben, je découvre, donc on pourra faire. Plus nombreux. Ça sera avec plaisir. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Merci.